Cette semaine, dans la Minute de formation, nous allons voir qu'est-ce qu'une discussion de carrière. Une discussion de carrière est une conversation ouverte entre un gestionnaire et un employé visant à explorer les objectifs professionnels de ce dernier et à planifier des actions pour les atteindre. L'accent est mis sur l'avenir, avec une discussion centrée sur les compétences à développer, les intérêts de l'employé et les valeurs qui guident son travail. Un référentiel de compétences peut aider l'employé à se positionner par rapport à son poste actuel ou à un poste auquel il aspire. Mais comment implanter un programme de discussion de carrière? Voici les étapes pour implanter un programme de discussion de carrière efficace. Premièrement, recenser les outils internes. Identifier les outils disponibles, tels que les dictionnaires de compétences, les outils psychométriques et les parcours de carrière. N'oubliez pas que les parcours peuvent être verticaux, mais aussi latéraux et même diagonaux. On entend généralement par diagonale un mouvement vers le haut dans une organisation. Ces outils servent de base pour structurer les discussions et évaluer les compétences des employés. Deuxièmement, développer un questionnaire de réflexion. Créer des questions ouvertes qui incitent les employés à réfléchir sur leurs compétences, leurs motivations et leurs objectifs professionnels à court, moyen et long terme. Cette approche permet d'avoir une vision claire de leur trajectoire de carrière et de planifier des actions concrètes. Une autre section doit amener la personne à identifier ses objectifs de carrière pour un horizon de 3 ans, avec des objectifs à rebours de 2 ans et d'un an, et permettre l'identification des liens entre ses intérêts de carrière et des projets de poste. Finalement, l'outil doit contenir un plan de développement qui indique clairement les compétences ou comportements à développer avec les méthodes envisagées. Troisièmement, former les gestionnaires. Il est crucial de former les gestionnaires aux techniques de coaching et à l'utilisation des outils pour animer ces discussions efficacement. Une bonne formation améliore la capacité des gestionnaires à accompagner les employés dans l'élaboration de leur plan de développement. Le gestionnaire doit connaître les étapes d'une discussion de carrière et développer l'habileté d'écoute et poser de bonnes questions. Quatrièmement, déployer le programme. Séparer les discussions de carrière des évaluations de performance pour éviter de contaminer le processus par des discussions sur le bilan de l'année plutôt que parler de l'avenir. Prévoir des rencontres régulières tous les 6 mois pour s'assurer de l'avancement des plans de développement. Un suivi régulier est essentiel afin de maintenir l'engagement des employés et ajuster les plans en fonction de leur progrès et des besoins de l'organisation. Enfin, cinquièmement, tenir les rencontres. Il est important que les employés se préparent à ces rencontres, par exemple en se familiarisant avec l'outil de réflexion à l'avance. Idéalement, ils devraient également explorer les différents parcours de carrière avant la discussion. Lors de la discussion, tel que mentionné, demandez à l'employé d'énoncer sa vision de carrière à rebours sur un horizon de 3 ans. Lors de cette phase, il est important d'explorer quelles sont les motivations fondamentales pour la carrière. Est-ce le côté technique? Est-ce l'équilibre travail-vie personnelle? Ou est-ce le sentiment d'être utile à une plus grande cause? Les discussions de carrière sont un outil incontournable pour développer le potentiel des employés et aligner leurs aspirations avec les besoins de l'organisation. Pour qu'elles soient efficaces, elles doivent être bien structurées, menées avec transparence et suivies de manière rigoureuse. En adoptant cette approche, les entreprises peuvent non seulement améliorer la rétention et l'engagement des employés, mais aussi les préparer à relever les défis futurs. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site Internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.